Yo les refs, donc ici Tootsie, j'improvise le stream, j'étais pas censé cast cette game, mais écoutez, on y va, il y a CBF avec moi. On est là pour cast les gars. Voilà, donc on a évidemment Crow contre Hugo, je crois respectivement les seeds 2 et 4, il me semble. Je crois que c'est fait upset, hein, pour user side. Alors Crow est décidé 4 ou 2 Crow est testé 2. Ok, ok, ah ouais, ouais. C'est un ultime bogos. Ok, ok. Toi qui joues pas le truc, toi qui veux nous parler un peu du match-up. Alors je pense que le match-up est clair un bon plus 1 pour Inkling parce que c'est une mobilité au sol qui va extrêmement casser les couilles, des dash packs extrêmement chiants, un perso qui va pas non plus avoir un peu t'atterrir un peu au-dessus de toi avec ton shield, c'est que des back air et des nerfs qui sont complètement safe. Tu peux pas trop taper avant avec ton up smash, ton tilt, ton forward. Dieu le seul up smash. Ce sera toujours lui qui aura la prio. Et on va voir comment Crow va essayer de s'en sortir pour essayer de punir ce Inkling qui va être extrêmement difficile. Voilà, Crow qui a son fameux jeu de punish le landing, il joue énormément comme ça avec son Falco, hein, alors que Falco c'est un perso qui peut bien, juggle. Lui préfère attendre et punir au landing. Qui fait la force de Crow finalement. Il est pas parti pour l'instant double jump, il a préféré garder le stage control sur Smashville qui était une bonne idée mais pas assez de pourcents à mon avis pour pouvoir bénéficier suffisamment de cet avantage. Malheureusement, il a préféré taper à la sortie, bon ça a pas donné sur grand chose, c'est un peu dommage. Crow qui a bien réussi à rendre even un peu plus cette game. Hein. Pour l'instant ouais, c'est plus ou moins even. C'était un contre interaction, on connaît Inkling, c'est un perso qui galère pour moitié. Oh, c'était dommage, j'avais eu le dunk. Hugo qui tente, c'était une sale ride. Si c'était passé, il était mort. Wow. Hugo qui tente pas mal de smash, un peu risqué peut-être pour s'être tué. Alors qu'il y a d'autres outils pour tuer Falco, surtout vu sa légèreté, hein, il y a pas mal d'autres outils pour tuer. Et donc, tout ce temps que Hugo perd à faire des options un peu risquées qui ont pas beaucoup de chance de passer, c'est du temps que Crow peut prendre pour re-rendre even la game et revenir au score à elle. C'est classique. C'est classique, ça, ça va le catch quasiment tout le temps. Le rift quelque chose qui doit apprendre à faire, je pense, c'est vraiment éviter de revenir avec un side comme ça, un perso qui a un down smash avec des hitbox un petit peu racistes comme ça. Je pense qu'il a compris, il a compris l'erreur et il va. Double saut en avantage, hein, c'est chaud quand même. Il a pas mis le kill, mais. Non, c'est bien joué, mais oui, ce que je disais pendant la reco, Inkling c'est pas un gros perso qui peut venir pour mettre un gros downer off stage. Techniquement, oui, mais le downer est vraiment mauvais. Techniquement, oui. Il aurait meilleur temps de faire des OP, pas vraiment mix up nécessaire. Exactement. Donc là, Crow qui clairement est totalement ramené dans le game. Hein. C'est vraiment bien. Oh, le downer. Ah, c'est dommage, t'as vu ce unbox shifting avec le jab, c'est dommage. Catastrophique. Crow qui est patient, hein, en neutral. Malheureusement, il se prend ce backer side B. Ça aurait pu être bien pire. Peut-être qu'il a fait exprès de fast-tech pour pas se faire burry. Le pro backer, c'est pas passé, il garde l'avantage. Le petit qui connecte pas parce que Falco c'est top tier. Le petit qui connecte. Fitness. Ah là, on connaît un Falco. Un peut... qui va prendre la guerre. Bien trop tard, c'est dommage. Il a lâché bien trop tard. Bon, maintenant les deux peuvent mourir très vite. Ah, voilà, qui va tuer ça tue, je pense, Falco à 85% sur cette map. Oui, sur cette map, complètement. C'est avec le. Ça a vraiment fait le taf. Il aurait pu faire gaffe, le up throw upper aurait pu tuer à ces pourcentages là avec la rage de Falco. Juste ouais. Un peu en dessous de. Un point moyen comme Inkling sans rage, sans 3%. Là, ces pourcentages là avec un petit peu de rage, je connais pas bien, mais ça aurait pu. Ce genre de stock qui part en fumée comme ça, ça aurait pu faire le café. Mais non, c'est l'up smash, encore up smash risqué, mais cette fois est passé. C'était un peu l'interaction de la fin de la game en fait. Crow avait touché, ouais, il aurait pu prendre la. Gros risque, mais voilà, il a pris ses responsabilités. C'est un gros garçon, il prend ses responsabilités. Le counter pick, Small Battlefield, je pense que c'est un bon counter pick pour Falco contre Inkling dans cette map. Je sais pas ce que t'en penses, à mon avis. On va dire qu'il y a des bons côtés, il y a du bon des deux côtés. Inkling va tuer ultra tôt avec ses smash, et puis s'il peut bouilla, ça va tuer extrêmement tôt. Il faut savoir que Inkling peut bouilla Falco uniquement à son 3% aussi. 103%. Ouais, les deux, Falco c'est un des persos les plus durs à bouilla du jeu aussi. Parce que je pense qu'il connaît un peu le match-up. Là, on voit que ça se cherche, on voit que c'est extrêmement even à 3,1% de Dantin. Oui, il a forcé l'air dodge, c'est bien joué pour Hugo qui joue très aériennement en neutral. Ce qui peut lui porter préjudice, hein, parce que contre Falco, si on fait beaucoup de sauts, on risque de se faire avoir par des counter aérioles ou des choses comme ça. Ça fait en diagonale aussi, quoi, avec Falco.
Donc voilà, Hugo, on a déjà vu dans la game d'avant, le set d'avant, il aime beaucoup jouer le métrage de manière aérienne. Peut-être un peu de mal à s'adapter aux joueurs qui comptent les approches aériennes. En même temps, voilà, quand on a un baquet et un neutral aussi bon en neutral, ça donne envie de les toucher. Et l'arrière du smash qui va toucher. C'est la main. C'est la main. Voilà le vrai anti-air de Falco sur smash qui peut battre le baquet avec de belles hitbox. Plus d'avantage pour Pro dans cette game, hein, ça joue plus tranquille. Je pense que Hugo il a envie de calmer le jeu un petit peu. Peut-être qu'il y a beaucoup d'interactions, ça t'arrête beaucoup. Là, on joue un peu plus neutral, on doit rattraper son retard. On voit que Crow aime bien forcer l'air dodge à gagner, un peu ses, mettre ses 50-50 après des down tilt, etc. Après des down tilt pour forcer l'air dodge, forcer hitting air dodge et se retrouver au ledge. On voit qu'il aime beaucoup faire ça, mais pour l'instant, ça ne joue pas énormément sur les traps. Mais bon, voilà, il a décidé, ça va être la bonne phase qu'il envoie. Du coup, à l'extérieur du terrain, alors qu'il n'était pas du tout à la base. Quelques pixels en plus, il aurait pu conserver ce jab encore plus longtemps pour prendre voire 15% de plus. Ça aurait été extrêmement dangereux. Ouais. Et Hugo, il s'est montré clutch, hein. Il a un adversaire bien. Ouais, là. Et bon, voilà, maintenant que je parle. Belle rythme de vie, c'est magnifique. Et on est plus comme beaucoup plus. La DI qui est pas simple, hein. C'est assez horizontal, comment. Ouais, mais il arrive la taille, c'est le. Tu es au backer, c'est très très rare pour la moitié très précis. Il a fait du truc, il a plus de sa chance. Ah, il s'est fait reverse, mon frérot, et il a pris 30% là-dessus. Et le smash qui va pas tuer, très vite. Bon, il est plus très rejeté, dans ce match, évidemment, le serveur. Ou alors ça, c'est un lancement là. Oh, quel dommage! Quel dommage! Du coup, il s'est fait reverse alors qu'il avait la score. Elle était évidente, ça. C'est dommage. Et maintenant, Franck, qui ne meurt pas, qui va peut-être même pouvoir gagner cette game sans avoir perdu ses stuff, qui n'a pas été quitte. Non, faut éviter avec Falco, c'est une mauvaise habitude. Je ne dis pas que je suis là pour donner des conseils, mais essayer de réflexe ou n'importe quoi, c'est une mauvaise habitude comme tout Falco. C'est ton voix. Le coup de combo de Giga, c'est normal à 20%. Donc, on va voir notre fameux Hugo qui arrive à être très clutch. Pour l'instant, il est remonté, il y a toutes les interactions de Frank. Il arrive à faire du gun, ce personnage, c'est ce qu'on a le. Cette game avec autant de retard. Il arrive à rendre ça even, vraiment ça c'est la puissance du rouleau. Un rouleau et c'est terminé. Il y a des adversaires qui peuvent avoir le moyen sur le point de gagner. Allez voilà le qui a touché okay. Genre la queue de cheval d'Inkling. D'après Hugo, il a mis le inner box dedans, donc il a allongé son bras. Et, oui, ça c'est comme avant, comme la deuxième stop, la même bail. Extend cette door box, c'est dommage. Ouais, comme Game, je vous dis un truc intéressant hein, sur le chat. D'ailleurs, bonjour à toi. C'est vrai que Hugo est assez hésitant dans ses finishes. Ah ouais? Souvent, quand il finit, il hésite avec une option ou deux. Ou alors, il fait un choix peut-être pas le plus optimal. Donc, il ne rapporterait pas le plus de pourcentage possible et le plus d'avantages possible. Donc voilà, on est reparti. Hein. Un partout, on rappelle que c'est du BO5. Encore cette map qu'on a joué sur la Game 1. Spam de backer, les murs. C'est un smash qui est assez redoutable sur cette map, smash vite. Je pense que c'est le bon pick et ça a marché sur la game 1 de cette map. Ce que je veux dire, c'est que c'est. Je pense que c'est le bon choix d'essayer de jouer sur cette map. On voit que pour l'instant aussi ça se concrétise. Cro qui essaie de trouver ses petits combos pour reset un petit peu la situation. Ledge qui n'arrive pas, il n'arrive pas à ledge trap, c'est. C'est dommage, j'arrive pas à utiliser ces occasions. Évidemment, le throwdowner! C'était le risque. Ça aurait été vachement stylé. Hein. Ouais, ça aurait été impossible. Une ride de diage, je pense. Ouais, peut-être, c'est aussi le timing. Tu vois, tu stresses vite, tu sais que le gars il va prendre le spot dodge. C'était un peu spaghetti comme interaction. Hein. Je sais pas si c'est vraiment une ride de spot dodge, mais là les dégâts sont partis. Et puis ouais, Croc a attaqué alors qu'il était en désavantage. Au lieu de préférer revenir et récupérer une station proche, la bonne. Ouh, alors là ça va commencer à faire mal. Hein. Blindant, c'est la galère, c'est pour 1,3 dégâts, c'est ça que je veux comme ça. Exactement. Ouais, c'est la mort. Hugo là qui s'impose avec une stop d'avance. Il continue. Il a l'air très focus dans son neutral. Il joue bien, puis il tout seul en retrait. Croc n'arrive pas à prendre le stop, hein. Il sait qu'il doit. Il doit se dépêcher un petit peu parce que quand tu perds, c'est du temps où il peut creuser les cas.
Ouais, tu vas essayer de juggle un maximum. Il y a quand même une bonne vitesse aérienne. Le tilt upper qui passe juste pas. Il y a un 70%. Déjà 70%. L'écart se creuse, c'est vraiment la pire des situations ici pour Crow. Valko qui est pas trop réputé pour avoir un petit aversion comme comeback. Donc là il va falloir être vraiment royal. Un des seuls ledge traps qui passe, mais c'est sur une énorme rig, sur un gros smash à 150%, c'est pas non plus la meilleure manière de gagner un ledge trap. C'est déjà ça reste un. Alors, on voit Hugo qui est beaucoup plus patient et fait des baits. Voilà, je pense que c'est terminé, exactement c'est terminé. Hugo a bien joué sur cette fin de game, car il savait qu'il avait l'avantage. On voyait qu'il était beaucoup plus en retrait, il jouait de manière plus safe. Parce que ça sert à rien de foncer quand on a 8 stock et demi d'avance. Et il l'a bait, c'est passé, ouais. Il a cette bille, F smash. Quoi? Merci Green Eye. Et après t'as le bruit du calamar. C'est quoi ton main sur Nickelodeon All-Star? C'est Toff, voilà. Bien sûr, Toff. Non mais franchement, le perso il est... ça va mais... Casse-toi. Pourquoi t'as tout le dit? Moi je joue Nigel. Je sais pas qui c'est. Je crois qu'il a un res, mais je m'en bats les couilles. Juste pour ça, trop. Allez, la game elle commence. La game elle commence, je commente avec vous. Allez, si tu veux, on est trois, mec. On est trois. Le temps d'aller chercher à boire. Le temps d'aller chercher à boire. Ah, c'est bon. Alors, c'est Bef nous quitte pour aller chercher à boire. Et là, la game elle commence. Là, on a un jump directement de la part de Crow qui vient mettre 12% en mec. 12% sur un jump, c'est pas terminé. Bien joué mec. Et donc et là en fait là, tu vois la peinture blablabla. Et il met donc c'est plus sérieux. Sans l'être trop long. Non voilà, c'est là, grave. Hugo là qui va tenter son bouillac. C'est pas censé. Il y a une manette effet. Ça prend direct la stock que 20%. Oui non mais c'est pour ça tu ça a pas tué, c'est juste qu'après il a VR derrière. Ça, mais donc là voilà, Croc qui a déjà beaucoup de retard hein, et il va devoir commencer à capitaliser sur chaque interaction qu'il gagne et ne pas faire ce genre d'erreur. Il mix-up de la part du coup, il savait qu'il allait venir pour un downer. Ça. Et du coup en fait le downer il n'était clairement pas nécessaire. C'était risqué, il avait encore toutes ses options. La meilleure forme de ce trap. Et encore une fois, c'est reverse. Il a failli mourir. Le bill était bien trouvé, il faut faire une manière pour que ça trouve des pourcents. Le backer qui va mettre des dégâts. Il faut qu'il vienne gentiment, hein, s'il arrive à trouver une stock. Ça c'est Yoshi Story, hein. On va faire un truc en fait à côté de tout, en fait à rien. C'est un peu malheureux. Et là ouais, comme tu disais, on s'est quand même bien rattrapé, mais attention. Il suffit d'une phase de profiter, une phase de Hugo pour se mettre bien dans le set. Et là, il a essayé de faire le même mix-up de recovery, sauf que Crow a attendu avec un up smash. Exactement. Cette fois-ci. Il arrive à revenir dans la game. En même temps, il a fait ce mix-up de recovery deux fois de suite, donc c'est la troisième fois, j'attends le smash et il est revenu dans la game. Et là, voilà, c'est les même plus combos. Il y a l'avantage, avantage technique. Oh, le dernier qui est trop bon, on le voit. Mais qui va juste pas suffire, exactement. Il manque quelques pourcents pour que ce soit fatal parce que le sol sur cette map est très bas. Ouais, et en plus, sur les spikes vont plus vite. Ça aspire et ça. Bizarrement, je sais pas pourquoi, mais. Et du coup, je pense qu'à 2% Hugo était à 2% de mourir. Et là, on est quand même sur une game done jusqu'à ce que là, ça peut peut-être être la stuff. Malheureusement. Pour Hugo, comment extend son avantage alors, il avait une position au bof. Le side beat, il a touché évidemment avec l'autre. Il a la Bob le bricoleur là, pour l'instant, Crow, il se les prend presque tous. Ah, il se fait Bob le bricoleur un peu. C'est ça, il s'est enterré comme Manu. Le down tilt évidemment faire. Ouh, drag down. Attention. Oh là là. Alors, je pense qu'il aurait pu. Si on a un backer, finir sa stock, mais ça n'a pas été tenté, c'est dommage. Oh non, oh, le flipper. Il s'est fait. Catastrophe. Comme ça là. Oh, l'upset. Crow qui est décédé, je le rappelle. Crow. Non. Oh.